Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de découverte de jeux vidéo. Et là, nous allons faire la démo de Devil May Cry 5. Combo automatique, non. Oui. C'est parti. Je ne sais pas du tout combien de temps elle dure. Maintenez les carrés pour charger votre arme avec plus de puissance. Maîtrisez la charge lors des combats et la clé pour améliorer notre de style. D'accord, donc on appuie carré pour charger. Juin 5h32. That's it. No more wheels from here. All right, guess I'm walking then. Yo, yo, yo! Check it out. What? And this is? From Morrison. I think it's his manifesto. Appuyez sur l'option pour accéder aux mini-pauses et voir les commandes de base. Vous pouvez également consulter les commandes des différentes actions à votre disposition en sélectionnant aptitude depuis le mini-pause. Alors, se déplacer, caméra, attaque de mêlée, attaque à distance, Devil Breaker et saut. Devil Breaker, ouverture bleue, onde de choc destructrix, punchline rouge, point volant. R1 verrouillage, d'accord. Alors, oh, ok. D'accord. D'accord. Ok. C'est quoi ça? C'est pas mal fait les... Ouverture 4-4. What a mess. Appuyez sur rond. Ok. Alors, j'ai vu une bestiole là. Pas là, on a grand chose à faire ici. Ok, c'est plutôt classe. C'est plutôt dynamique. Alors, appuyez sur rond pour attaquer avec votre Devil Breaker. Attention si vous le détruisez. Vous le détruirez si vous subissez des dégâts alors que vous attaquez. D'accord. Maintenez rond puis relâchez. Détruire un Devil Breaker. Charger une attaque le rend plus puissante, mais cela également pour effet de détruire le Devil Breaker. D'accord. Alors, appuyez sur rond. Ok. 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 Sang de démon cristallisé, démonite rouge, pierre magique rouge de 1100. Le démon cristallisé, échangez-les contre des armes, des aptitudes. D'accord. Allez, donne-moi la démonite. C'est quoi, c'est quoi? Ok, bonjour. Ah, je peux pas tirer dans ce sens-là?
Ok, c'est pas mal non plus. Ok. Ok. Ok, c'est cool. Je sais même pas comment j'ai lancé ce truc. Ok. Franchement beau, pas à dire. Après voilà, c'est du beat'em all moderne quoi, on va dire. Mais c'est propre, ça réagit vraiment bien. D'accord. Ok. Du coup, je vais pas rentrer. Qu'est-ce que c'est ? Ils sont combien ? Ils sont plus là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah ouais, d'accord, il y a pas mal de choses aussi. Des minutes vertes, pierre magique vert postillon de fuite de démon. D'accord, ça récupère de la vie. Je suis en train de manger là. Ah merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Ça a explosé. Soldat, pêcheur, ouais, pas mal. Et franchement, c'est badass. Les graphismes. Non. Ah, j'ai cassé mon bras en fait. Oula, attention. R1. C'est quoi R1? D'accord, je saute. Bon, j'ai pas compris. Bon, sans bras, je pense que c'est compliqué de les avoir. Il me faudrait un bras là. J'ai plus beaucoup de vie. Ah, les contrôles sont bizarres des fois quand même. Je sais quand est-ce qu'il meurt. Bon bah lui il est mort. Merde, on a un nouveau là. D'accord. C'est le cerf à vie. D'accord. Aïe. Ça pique. Attends, je bouge, je bouge. Ah, je bouge tranquille. Il est presque mort lui. Ok. Lui par contre il est tout propre. Je préfère me prendre à lui.
Voilà. Bon, ils sont pas très agressifs, hein. Je sais pas si je les spam. Peut-être pour récupérer les cœurs. Donc, ils n'attaquent pas du tout, c'est bizarre. Ok. C'est plutôt bizarre. Point de style 2617. Ouais, c'était plutôt nul. Je pense. On va récupérer tout ça. Ok, ah ouais, c'est dynamique. Hein. Ok, nouveau bras. Gerbera. Appuyez sur rond ou L. Sur rond pour libérer une onde de choc. Gerbera, maintenez rond jusqu'à ce que le bras brille et relâchez. Au sol, libérez un large rayon. D'accord. Donc si je reste sur rond, ça va péter dans tous les sens. Maintenez carré pour charger votre arme. Ouais, d'accord. Ça, on sait. Petit temps de chargement. C'est un peu long, je sais pas si c'est comme ça dans le vrai jeu. On n'a rien fait de spécial et puis on se retrouve dans un endroit. D'accord. Plutôt bizarre. Ok. Ok mec. Alors. Y'a quoi là? Y'a quoi là? Oula! Merde, j'ai déjà plus de bras. Hop là! Non, je voulais me barrer. Ouais, j'ai pas le temps. Ouais, je suis pas bien en point. Ah ouais, je suis mort. Oh, je cours. Ah, il y avait la note là. Oh là là là. Oh là là là. Je suis mal. Oh là là, c'est mort. Ok. Bon, on a vu à peu près ce que ça devait. Moi, je suis pas fanat de ce genre de jeu de beat'em all. Franchement, c'est très très propre. Il y a des moments où on sait pas trop ce qu'on fait, par contre. Le bras a l'air très fragile, hein. On le perd assez facilement. Par contre, ouais, c'est graphiquement superbe. Pour ceux qui kiffent ce genre de jeu, faut foncer à mon avis, parce que c'est vraiment un super jeu. Et puis apparemment, il est assez long. Donc, un petit jeu à conseiller pour les fans de beat'em all. Moi, c'est pas ma cam du tout, du coup je rentre pas dedans, mais bon, pour ceux qui aiment, n'hésitez pas à foncer, c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est la fin de cette petite présentation. Si vous avez kiffé, bah, vous me lâchez un gros pouce bleu, sinon bah, vous mettez un pouce rouge, il n'y a pas de problème. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.